Salut à tous, c'est Vendetta Joke pour une nouvelle vidéo de Guild Wars 2 et aujourd'hui on se retrouve dans le 11e épisode de Build et Gameplay, la playlist dans laquelle je vous propose moult builds pour moult professions dans Guild Wars 2. Et aujourd'hui, devant ce personnage magnifique mais néanmoins ténébreux et mystérieux, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, Joke? Qu'est-ce que t'as fichu? Tu nous as même pas prévenu que tu montais un guerrier niveau 80, maintenant c'est fini entre nous, je veux plus entendre parler de toi. Alors si, pour ma défense, je l'ai dit une fois dans une vidéo, mais je peux vous comprendre car même moi j'arrive même pas à me souvenir dans quelle vidéo est-ce que je l'ai dit. J'en suis sûr, mais je sais plus du tout c'est dans quelle vidéo. Et j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher dans toutes mes vidéos pour savoir quand est-ce que je vous l'ai dit. Mais c'est un fait, j'ai depuis environ 2 semaines un guerrier niveau 80 sur mon compte, qui est le 5e personnage niveau 80 que j'ai sur mon compte, encore une fois. Et donc aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo pour vous faire la présentation du build que je joue en PvE. Donc PvE zone, donjon ou fractal avec ce guerrier. Donc fractal, je ne l'ai pas encore testé, mais on m'a avéré que d'après les stats et d'après... les personnes qui jouent guerrier dans ma guilde et qui sont habituées avec cette profession, on m'a certifié que ce build devait largement passer en fractal. Donc je les crois sur parole, hein. Je suis pas très expert du guerrier, mais je pense qu'à mon avis le build que j'ai concocté et mis au point envoie sacrément du poney. Donc ce build j'ai choisi de l'intituler tout simplement Ouvre-crâne. J'essaie de me souvenir du titre, que ça colle avec le titre de la vidéo. Donc ça va être le build de guerrier DPS Ouvre-crâne, qui porte vraiment bien son nom. Car vous allez le voir que sans être full berserker avec mon guerrier, j'inflige des quantités de dégâts tout à fait honorables. Et ce qui permet vraiment d'avoir un personnage en solo non seulement qui tient la distance, mais qui en plus avoine de façon très 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 hard les ennemis. Mais donc sans plus attendre et sans moult blabla, car j'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour tourner ma vidéo, je vais bientôt redevoir retourner au boulot, je vais démarrer la présentation du build et comme d'habitude on est parti par le stuff. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je ne joue pas mon guerrier comme beaucoup en full zerk, tout simplement parce que au début du jeu j'étais fan, complètement fan du full zerk vu les quantités de dégâts que ça pouvait faire. Aujourd'hui que le niveau de difficulté du jeu a quand même augmenté, que le fractal est apparu, que les stratégies sur les donjons ont été patchées, modifiées, etc. Le full zerk, à part avec une team vraiment optimisée, c'est même pas la peine, en tout cas d'un point de vue personnel, d'y penser. C'est pourquoi j'ai décidé de créer mon stuff de la façon suivante. Mon armure, c'est une armure puissance robu vita. Voilà, toute l'armure est en puissance robu vita. Et par contre, tout le reste du stuff, armes et bijoux, donc sauf la protection dorsale, désolé, regardez cette magnifique protection dorsale blanche chez Chipabocha, hein. C'est tout simplement parce que, vous voyez, j'ai commencé à passer en bijoux élevés mon guerrier, et après je ferai les armes. Donc je me dis, acheter une protection dorsale exotique à l'HV pour le passer en élevé peut-être une ou deux semaines après, je vois pas trop l'intérêt, c'est dépenser des PO pour pas grand-chose. Donc j'ai décidé d'attendre de passer directement à l'élevé, mais ça prend un petit peu de temps et ça coûte cher, surtout de créer des dos élevés dans Guild Wars 2. Mais donc, pour reprendre ce que je disais, tout mon stuff, armes et bijoux, est en zerk, en full berserker, donc puissance, précision, dégâts critiques. Donc l'armure, puissance, robu, vita, armes et bijoux, puissance, précision, dégâts critiques. En ce qui concerne la rune que j'ai mise sur mon armure, c'est la rune d'érudit supérieur x6, qui du niveau 1 à 5 moque 3 puissance et dégâts critiques supplémentaires, et au niveau 6 plus 10% de dégâts infligés lorsque la santé est supérieure à 90%. Donc c'est vraiment une rune qui va vous obliger, entre guillemets, à vraiment lâcher vos gros bursts de dégâts dès le début du combat. Vraiment. Donc c'est vraiment une rune et un style de jeu qui va vous demander de vous préparer avant le combat pour pas devoir le faire pendant, car c'est vraiment au tout début du combat que vous allez devoir placer vos gros DPS pour pouvoir bénéficier de ces 10% de dégâts supplémentaires. Mais je trouve que c'est une rune qui est quand même très intéressante pour le DPS brut.
Ensuite, sur l'espadon, qui est l'arme principale que vous allez jouer avec ce guerrier, j'ai choisi de mettre le cachet de la nuit supérieur qui augmente les dégâts de 10% durant la nuit. Alors vous allez me dire, pourquoi? Parce que la nuit ne dure que la moitié du temps dans Guild Wars 2. Oui, mais 5 des 8 donjons de Guild Wars 2 sont considérés comme environnement nocturne sur Guild Wars 2. Donc je vais plutôt vous dire les 3 donjons qui ne sont pas considérés ainsi, c'est Codecus, l'HDV et Ara. Ces 3 donjons sont considérés comme environnement de jour, alors que tous les autres donjons, Kata, Sita, etc., etc., sont considérés comme des environnements nocturnes. Donc, se cacher dans ces 5 donjons va marcher. Et certains chemins de fractal sont également considérés comme environnement nocturne, tout comme les donjons, ça marche de la même manière. Et en zone, bah, il y a la moitié du temps où est-ce que c'est quand même la nuit. Donc, bah, j'ai préféré prendre comment dire, cet espadon-là, voilà, tout simplement. Au pire, bah, comme un loup, comme un vampire, je ne sortirai mon guerrier que pendant la nuit, et de toute façon, je fais ce que je veux. Donc voilà. Et en ce qui concerne la hache et la masse, qui est le set d'armes secondaires de mon guerrier, sur la hache, j'ai mis un grand classique de cachet concernant le DPS pur, c'est le cachet de soif de sang supérieur. Plus 10 de puissance à chaque ennemi tué, avec 25 charges, donc plus 250 une fois de puissance, une fois le cachet complètement chargé. Et sur la masse, j'ai mis le cachet de force supérieure, 30% de chance d'obtenir pouvoir pendant 10 secondes lors d'un critique. Vous le voyez au niveau 80, je suis à 45% de chance de faire un coup critique. Donc en gros, une fois toutes les 2 attaques environ, je vais faire un coup critique et sur ces coups critiques, j'ai 30% de chance d'obtenir un stack de pouvoir. Donc voilà, le pouvoir, ça augmente la puissance en partie, donc ça augmente encore plus le DPS que je vais faire. Donc voilà pour la présentation du stuff, juste vite fait sur le skin de mon personnage s'il vous plaît. En ce qui concerne l'armure, j'ai fait un mixte entre pas mal de skins dans Guild Wars 2. Donc le casque, le haut, les gants et les bottes, c'est le skin de Phalange qui est disponible à l'HV dans la catégorie style contre 800 gemmes. Les épaulières, c'est les épaulières T2 lourdes humaines. Et le bas, c'est tout simplement le bas draconique de craft 400 en forgeron d'armure dans Guild Wars 2. Et en ce qui concerne les teintures, c'est du noir, du glacier et du blanc. Voilà pour les teintures et le skin de mon personnage que je trouve relativement joli. Et l'espadon, c'est le gardien du cristal, que je vais bientôt passer en élevé d'ailleurs. Donc voilà pour la présentation du stuff et on va directement passer à la deuxième partie. Qui est la présentation des aptitudes? Donc j'ai décidé de jouer mon guerrier de la façon suivante. 30 en force, 25 en armes et 15 en défense. Les 30 points en force m'octroient plus 300 de puissance et plus 30% de durée d'altération. Très sincèrement avec ce build, les altérations osef, surtout pour les plus 300 de puissance. Au niveau 5, vous infligez des dégâts aux ennemis à l'issue d'une roulade d'esquive. Il n'y a pas plus clair comme description, vous faites une roulade d'esquive à la fin de votre roulade, vous faites du dégât en AoE, sur 5 cibles maximum. Au niveau 10, aptitude numéro 5, les dégâts sont augmentés lorsque vous maniez de la main gauche une hache, une masse ou une épée, ce qui est mon cas, donc j'augmente mes dégâts lorsque je suis en hache masse de 5%. Au niveau 15, l'utilisation d'une compétence de déchaînement vous rend de l'endurance, 15 points d'endurance de régénérer. Les compétences de déchaînement, ce sont les compétences F1 du guerrier. Et donc, dès que j'en utilise une, ça va m'octroyer de l'endurance, qui est cette petite barre jaune qui me permet de faire des esquives plus souvent, et donc de faire pop les dégâts. Donc l'alliance entre les deux est plutôt pas mal. Au niveau 20, aptitude numéro 9, les dégâts à l'espadon et à la lance sont augmentés de 10%. Je vous l'ai dit, cette arme principale c'est l'espadon, donc augmenter les dégâts de 10% c'est plutôt pas mal. Niveau 25, vous obtenez un bonus de dégâts lorsque votre endurance n'est pas à son niveau maximal. Si cette barre-là n'est pas complète comme c'est le cas ici, vous faites 3% de dégâts supplémentaires. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu passer à 5%. Voilà, c'est vrai que c'est pas beaucoup plus, c'est sûr. Mais voilà, 3%, pourquoi? Alors que beaucoup de professions sur les pourcentages de dégâts supplémentaires fonctionnent avec 5. Ce qui est le cas avec cette aptitude-là. Voilà, donc je comprends pas pourquoi celle-là 3 et pas 5. Enfin bref, c'est un détail. Et enfin, au niveau 30 de force, j'ai choisi l'aptitude numéro 11, puissance du berserker, ça porte bien son nom.
Dégâts augmentés selon l'adrénaline que vous avez accumulée. Niveau 1 d'adrénaline, 5%. Niveau 2, 10%. Niveau 3, 15% de dégâts supplémentaires. Donc le niveau 1, c'est ça. Le niveau 2, c'est ça. Et le niveau 3, c'est ça. Pour ceux qui connaîtraient pas encore trop bien Guerrier, qui débuteraient Guild Wars 2, etc., l'adrénaline, vous l'obtenez, vous l'accumulez tout simplement en tapant du mob ou en prenant des dégâts dans Guild Wars 2. Donc tant que vous tapez, les barres vont se remplir. Et si les 3 barres sont remplies, grâce à cette aptitude, puissance de Berserker, vous faites 15% de dégâts supplémentaires. Si on résume rien qu'avec cette barre de compétences, lorsque vous avez l'espadon équipé, vous allez faire 10 plus 15, 25% de dégâts supplémentaires avec votre espadon. Voilà, vous avez juste à ce que vous maniez un espadon, ce sera le cas, et à avoir les 3 barres d'adrénaline chargées au maximum. 25% de dégâts supplémentaires. Que demande le peuple? Ensuite, j'ai choisi de dépenser 25 points en armes, qui me confère plus 250 de précision, ça c'est très intéressant, plus de chances de faire un coup critique, et plus 250 de dégâts d'altération, comme je vous l'ai dit, ça c'est un petit peu osef, hein, on va dire. La preuve en est en image, aptitude numéro 5, probabilité d'infliger, désolé pour avoir bougé mon écran, probabilité d'infliger saignement lors de coups critiques. Et vous voyez que sous 4 secondes, les saignements font 165 points de dégâts. Avec ma nécro full alté, ça en fait 10 fois plus. Voilà, juste pour vous donner une image. Non, les altérations, très clairement, c'est pas votre rôle avec ce guerrier. Niveau 10, aptitude numéro 5, vous avez une chance d'infliger vulnérabilité lors d'un coup critique. Là, d'accord. Là, c'est vraiment ce qu'on recherche. Je vous ai montré tout à l'heure, 45% de chance de faire un coup critique, à peu près une attaque sur deux va être un critique. Dès que vous faites un critique, 33% de chance d'infliger vulnérabilité. Je le répète, un stack de vulnérabilité, c'est 1% de dégâts supplémentaires mis sur les ennemis. Donc vous pouvez en avoir 25 au maximum, ce qui fait qu'avec votre espadon, 25%, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus les 25 de vulnérabilité, vous faites 50% de dégâts supplémentaires sur l'ennemi par rapport à votre DPS de base. Que demande le peuple? Là, franchement, c'est de l'optimisation de DPS brut. Niveau 15, les compétences de déchaînement bénéficient d'une probabilité de critique accrue. Donc les compétences de déchaînement, c'est les F1, je l'ai déjà dit, ça, il me semble bien. Et vous augmentez votre chance de faire un coup critique sur ces compétences de déchaînement de 10%. Donc en gros, sur les compétences de déchaînement, au lieu que ce soit 45%, ce sera 55% de chance de faire un coup critique. Au niveau 20, j'ai choisi l'aptitude numéro 10, espadon puissant. Vous obtenez pouvoir lors d'un coup critique avec un espadon ou une lance. Les compétences d'espadon et de lance se rechargent plus vite. Donc ça, pareil, optimisation de DPS brut. Car dès que vous faites un coup critique avec un espadon, vous allez obtenir pouvoir. Tout simplement. Et donc un stack de pouvoir, c'est 35 de puissance supplémentaire. Donc vous pouvez les augmenter en chaîne. Et surtout, vous réduisez vos compétences d'espadon le temps de recharge de 20%. Donc vraiment une compétence super opti dans ce build. Et enfin, au niveau 25, vous augmentez les dégâts infligés aux ennemis victimes de saignement. Et c'est uniquement grâce à ça que le saignement proqué sur un coup critique va être intéressant. Parce que ça vous permet simplement d'augmenter vos dégâts de 10%. Donc on répète, on va pas compter les stacks de vulnérabilité, et pourtant je peux vous promettre, ou au moins on va en compter 10. Voilà, 10 stacks de vulné. 10% de dégâts supplémentaires avec l'espadon. 15% si votre adrénaline est chargée, on est à 25. 10 stacks de vulnérabilité, on est à 35. Et 10% de dégâts supplémentaires, si vous avez mis saignement sur les ennemis, vous allez être à... Faut que je recompte, j'ai oublié. 10, 15, 25, 35% de dégâts supplémentaires, et ça, vous pouvez être sûr que c'est en full. Donc voilà. Et enfin 15 points en défense, car c'est bien beau d'optimiser le DPS, faut quand même optimiser un petit peu la survie en guerrier, tout simplement parce que bah, vous êtes au cac, vous avez beau être en lourd. L'un des points faibles du guerrier, je trouve que c'est la régénération de vie, tout simplement. Il a une bonne base de rebut, une bonne base de vita, mais une fois que vous allez être à low life, vous allez avoir du mal à remonter votre vie si vous n'avez pas de soutien heal à côté de vous. Donc j'ai tout simplement mis 15 points en défense, plus 150 de robustesse et plus 150 de guérison. Au niveau 5, vous obtenez armure renforcée lorsque votre santé descend en dessous de 90%.
Donc armure renforcée, c'est tout simplement robustesse plus 100. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire sur cette aptitude. Au niveau 10, aptitude numéro 2, les altérations de mouvement reçues ou ont des durées réduites. Vous obtenez régénération lorsque vous êtes affecté par une de ces altérations. Donc tout ce qui est immo, infirmité et givre, la durée de ces altérations sur vous va être réduite de 33%. Et lorsque une altération va être mise, une des trois altérations va être mise, régène donc sous 3 secondes 447 points de soins. Pardon, mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est la santé surrénale. Votre santé se régène selon votre niveau d'adrénaline. Niveau 1, 125, niveau 2, 240, niveau 3, 360 points de vie toutes les secondes. Ça, c'est vraiment au petit. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que cette aptitude-là, je vous le répète, vous pousse à avoir votre adrénaline au maximum pour bénéficier du maximum de pourcentage de dégâts supplémentaires. Et celle-ci vous est en totale corrélation avec, vu que plus vous avez d'adrénaline, plus vous allez régénérer votre vie toutes les secondes. C'est vraiment super intéressant. Ça permet d'avoir quand même au niveau 80, 360 de guérison. Voilà, toutes les secondes, donc c'est vraiment un bon régène, un bon auto-heal solo, on va dire. Mais vous allez le voir qu'il va être encore un petit peu plus boosté. Mais donc voilà pour la présentation des aptitudes. Donc on a vu le stuff, les aptitudes, on va passer compétences de soins utilitaires et élite. Donc la compétence de soins, et c'est pour ça que je vous ai dit que la régène passive va être augmentée, j'ai choisi le signe de soins. Donc le signe a un effet passif et actif, comme tous les signes dans Guild Wars 2. Le signe passif, ça vous confère de la régénération. Vous allez vous healer de 400 points de guérison toutes les secondes au niveau 80. Couplé à, je le répète, cette compétence-là qui en donne 360 si votre barre d'adrénaline est rechargée au maximum et chargée à fond, mais c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. En gros, au niveau 80, vous allez vous healer de 760 points de vie toutes les secondes. C'est quand même pas mal, franchement. C'est vraiment pas mal. C'est quand même un bon auto-heal pour le guerrier. Et sinon, en signe actif, vous l'activez, il se recharge toutes les 20 secondes, et vous soignez de 3350 points de vie. Voilà. Ensuite, en première compétence utilitaire, j'utilise la bannière de discipline. Vous plantez une bannière qui augmente votre précision et vos dégâts critiques, ainsi que celle de vos alliés proches. Donc lorsque vous plantez au niveau 80 cette bannière dans le sol, si vous restez dans l'effet de la bannière qui est de 600, vous gagnez 170 de précision et 15 pour 15 de dégâts critiques. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris cette compétence-là tout simplement parce qu'elle augmente les chances de faire des coups critiques. Et vous allez vraiment le voir dans le test en zone que bah, c'est le plus optimisé pour le guerrier. Tout simplement. D'augmenter ses chances de faire un coup critique car le bonus de coup critique est vraiment phénoménal avec le guerrier comparé aux dégâts normaux. Donc faut vraiment optimiser ses dégâts critiques avec le guerrier. Ensuite, en deuxième compétence utilitaire, toujours dans le même cadre d'optimiser ses chances de faire un coup critique, le signe de fureur. Signe passif, précision améliorée. Signe actif, vous gagnez de l'adrénaline. Donc c'est vraiment super optimisé pour ce type de build. Soit vous augmentez votre précision, donc 180 de précision supplémentaire, donc vous avez plus de chances de faire un coup critique. Soit vous rechargez votre adrénaline. Et je vous l'ai dit, vous avez deux aptitudes qui marchent d'autant plus que votre adrénaline est forte. Donc c'est vraiment un signe super intéressant dans ce build. Et enfin, en troisième compétence utilitaire, j'utilise pour la justice, une compétence très répandue chez les guerriers, que ce soit en PvE comme en JCJ, confère fureur et pouvoir à vos alliés et à vous-même. La fureur dure 8 secondes, 20% de chance de coup critique supplémentaire. Et le pouvoir dure 25 secondes et vous vous mettez 3 stacks qui vont vous donner 105 de puissance et 105 de dégâts par alté. Donc voilà pour comment dire, pour les trois compétences utilitaires et la compétence de soins. Et enfin l'élite, bien évidemment, incontournable pour ce build en solo en tout cas. Après en groupe, vous pouvez switcher pour l'étendard, mais je préfère quand même le saut même en groupe. C'est le signe de rage, bien évidemment, signe passif, octroi de l'adrénaline. Donc tant que vous allez taper, vous allez gagner encore plus d'adrénaline, tout simplement. Et le signe actif, vous bénéficiez de fureur, pouvoir et rapidité. Tout ça pendant 30 secondes.
Donc Führer, toujours pareil, 20% de chance de faire un coup critique supplémentaire. 5 stacks de pouvoir, donc plus 175 de puissance. Et de la rapidité pendant 30 secondes. Sachant que le cooldown de ce signe est de 60 secondes, en gros, la moitié de votre temps de jeu, vous allez être sous Führer, 5 stacks de pouvoir et rapidité. En gros, c'est ça, 60 secondes de cooldown, 30 secondes d'activité. Donc avec votre guerrier, la moitié de votre temps de jeu, vous allez être sous, c'est bien ce que je disais, Führer, 5 stacks de pouvoir et rapidité. Ça, c'est vraiment pété de chez pété. Mais donc voilà pour la présentation théorique de mon guerrier. Je vous ai tout présenté, armure, aptitude, compétences. Ah oui, dernier petit point de détail, la nourriture et les nécessaires de maintenance. Donc je décide de jouer avec des bols de soupe curry courge musquée. En fait, je joue avec exactement les mêmes choses qu'avec mon élémentaliste dans ta tête. Enfin, voilà. Pendant 30 minutes, ça me confère plus 100 de précision. Je vous l'ai dit, il faut vraiment booster les dégâts, le pourcentage de chance de faire un coup critique. Et enfin, plus 10% de dégâts critiques. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et le produit de maintenance, donc ce sont les huiles de maintenance du maître absolu. Confère précision à hauteur de 6% de votre robustesse et confère précision à hauteur de 4% de votre vitalité. Ce nécessaire de maintenance est incontournable pour tout guerrier mixte entre DPS et Robuvita, tout simplement parce que le pourcentage donné est annexé sur la robustesse et la vitalité, et je vous le répète, toute mon armure est en puissance Robuvita. Tout simplement. Donc ça va vraiment vous donner un gros boost, pardon, de précision. Tiens, j'ai pas vu. Un petit peu de karma. Un gros boost de précision avec votre guerrier. Mais donc sans plus attendre, je vais me TP, couper la vidéo, me TP dans la zone pour vous faire le test et on se retrouve tout de suite. À tout de suite tout le monde. Re à tous, donc ça y est, on est dans la zone dans laquelle je voulais être, qui est la zone dans laquelle je teste tous les builds que je vous présente, qui est le détroit des gorges glacées. Donc hop, je vais juste remettre ma carte, je me trouve à côté du point de passage du sentier des cieux étoilés, qui lui-même est au nord-est de la map, le détroit des gorges glacées. Donc c'est la map 70-80 des Nornes. Et donc bah comme d'habitude, on va aller farmer toute cette zone-là, hein. Essayer d'aller taper des simples mobs paquets, des vétérans, etc. etc. et moult activités très 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 intéressantes. Donc, volonté personnelle de ma part, je n'ai pas maximisé le cachet de puissance supérieure pour vous montrer un petit peu les dégâts de base que vous pouvez faire sans que le cachet soit rechargé. C'est une volonté de la part de certains qui regardent mes présentations de build de montrer un petit peu les valeurs de dégâts lorsque voilà, vous connectez votre perso, vous tapez les premiers mobs, de montrer un petit peu les valeurs de dégâts que vous pouvez faire. Mais donc, sans plus attendre, bah, on est parti, hein, tout simplement. On va aller taper du mob. Donc on va se prendre... Tiens. Toi. Allez, on y va, c'est parti. Boum. Tu tombes. Allez, bim, bim, badaboum, bim, bim, bam, boum, boum. Vous voyez, les dégâts montent quand même relativement bien. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous vous en doutez, c'est un build de DPS, donc regardez le DPS que je fais, mais regardez également la régène que je me fais, vu que j'ai quand même plus de 700 points de régène dans cette zone. Regardez un petit peu la régène que je me fais. Hop là, voilà, c'est parti, on maximise. Et le sang lame. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de coups critiques qui sont sortis, dis donc. Non, pourtant. Bon, ça arrive, hein. On va aller se taper qui après? Voilà, on y va. Donc là, je vais balancer. Merci. Hop là. Bim, bim. Pouf. One shot, allez, on continue. Regardez les valeurs, même en H-mass, hein, les valeurs sont quand même plutôt pas mal. Ah, le vétéran. Allez, viens, vas-y, pépère. Ah, mais non, t'enfuis pas, espèce de boulet. Bim, allez, on y va. On proc le sang-lame. 14 000 de dégâts critiques sur le sang-lame. Suis quasiment à 3 000 de crit sur le coup blanc. Bon, et puis ma barre de vie, ça va, hein, j'ai connu pire, regardez, la régène, ça tient, hop, petit tourbillol, plus de vétéran.
trois quarts de barre de vie, c'est pas trop mal pour armes et bijoux berserk, que je trouve que c'est quand même assez bien, on va dire. Et hop, on va faire pop le saudrage, ça et ça. Donc là, les coups critiques, ça va pleuvoir. Hein. Mais eux. Bon, ok, j'ai même pas eu le temps de finir mon sans lame. Hop, on va repasser. Toi, tu bouges pas. Voilà, bim, 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 ciao. Non mais c'est énorme, ce build est vraiment en solo, c'est vraiment énorme. Je m'amuse énormément. Roche frisson, je m'amuse énormément avec ce build en zone 1. Sincèrement, c'est que du bonheur. Oui, je sais, le mouflon avait rien demandé, mais j'avais envie. Hop, petite fureur, hop, bim. Alors, on va aller se taper qui maintenant? Bah, on va aller faire un petit pack là, ce serait pas mal. C'est un quoi ça? Oh, un chasseur. Eux, ils sont trop marrants. Bim, 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 bim. 10K 941 sans fureur. Et vous voyez que je suis à 7. Je crois que je suis monté jusqu'à 8 stacks de pouvoir sans avoir utilisé le pour la justice qui m'en donne 3, ni le. Le signe de rage qui m'en donne 5, quand même. Rien qu'avec le décaché. Hop, mais là, on va hop, les utiliser. Boum. C'était beau, ça. Allez, hop. Bim, on va aller se faire le petit pack ici. Hop, toi. Bim, tu bouges plus. Mais arrêtez de bouger, de toute façon vous allez mourir. Ça sert à quoi? Faire gaffe que moi je ne meurs pas non plus. Bim, 7000. Le F1 de la hache est quand même assez important niveau dégâts, je trouve. Ah bah on vient m'aider, désolé pour le test en zone, hein, on vient m'aider, mais voilà. Regardez quand même les valeurs de dégâts que je fais, hein, ça peut toujours être... 14k toujours sur le dernier coup, j'ai fait du 17 tout à l'heure, ou 14, je sais plus. Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, et ma barre de vie, elle est descendue, mais vous voyez que la régène est quand même assez importante et que j'ai tenu au combat. J'ai pas bougé des zones d'AOE aussi, ça c'est à prendre en compte. C'est quand même du vétéran 80, je suis en solo, j'ai pas de heal à part le heal passif. Et vous voyez qu'avec la base Robuvita, bah ça passe, hein, tout simplement. Hop, allez, on recharge, on y va. Boum, c'est cheaté, franchement c'est cheaté. Toi tu bouges pas, hop. 10 stacks de vulné, voilà, et je le finis même avec ce set d'armes là, parce que franchement... On va se faire un dernier petit vétéran et quelques mobs, hein. Continuez à vous laisser voir les valeurs de dégâts. Bim, hop, le petit sans lame qui va bien. Voilà, vous voyez, j'étais loin d'être au dernier coup du sans lame. Je rappelle que pour le sans lame, il y a quand même 8 coups. Je pense qu'il m'en restait encore 3, j'étais déjà à 10k de dégâts. Donc vous imaginez le nombre de dégâts que j'aurais fait au dernier éthique. Le chasseur qui me fait toujours marrer. Bim. Un gold en plus. Ah, trop bon. Il dépop à une vitesse, c'est mob, mais c'est faramineux. Bim. Allez. On va optimiser le DPS. Ah, c'est bon quand même. Donc voilà, vous voyez, mon adrénaline est rechargée, donc je bénéficie des 15% de dégâts, et vous voyez que je l'utilise très, 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 très peu. Mon adrénaline, je l'utilise uniquement avec le F1 de la hache, et non pas avec celui du focus, même s'il donne de la fureur, tout simplement, il y a du dégât supplémentaire, 15% c'est pas négligeable, et il y a surtout de la régène supplémentaire sur laquelle je ne crache absolument pas, car je vous l'ai dit, vraiment, le point faible de ce build, ça va être de la régène de vie, hein. Vraiment, vous avez beaucoup de, pas mal de rebut, pas mal de vita, vous DPS, je vous montre depuis tout à l'heure que le DPS est absolument convenable, mais voilà, l'un des points faibles, c'est quand même la régène de vie. Donc je préfère garder les 700.
Je sais qu'il existe une petite alternative pour ce build, pour vraiment l'optimiser beaucoup plus DPS. Donc déjà l'optimisation vers un côté plus DPS pour ce build, je pense que ça passerait vers du full Zerg, mais j'ai pas envie. Et aussi c'est les 15 points en défense, les mettre dans la dernière ligne d'aptitude du guerrier, car apparemment il y a des trucs qui sont intéressants. Et pendant ce temps-là, je parle, ma barre est full life et vous voyez le vétéran, bah, il a rien pu faire. J'ai été dans ces zones, je m'en suis pris certaines avec ma régène, ça a remonté. Aucun souci. Allez. Hop, 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 hop. Voilà, en gros, avec le signe de rage et le pour la justice, vous lancez votre épée et vous faites la ruée, la cible, une simple cible niveau 80, elle est middle life. Et sachant que c'est qu'un seul coup de l'épée, l'épée ensuite revient vers vous et donc retique l'ennemi. Hein. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà, même plus que middle life sur lui, ça a été carrément les deux tiers en deux compétences, quoi. C'est cheaté. Voilà, on va continuer un petit peu et je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Hein. Le test en zone, je pense, j'espère en tout cas vous avoir convaincu sur l'efficacité de ce build. Hein, il n'y a pas trop de soucis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le retour pour retourner jusqu'au point de TP, le point de passage, en essayant de taper tout ce que je peux taper. Là, voilà, middle life, mais j'avais pas de fureur. Ah, t'es pas mort toi? Voilà, maintenant t'es mort. Hop là. On y va. Petit Kogan. Bim. Bon, toi, tu vas pas demander ton reste. Je suis vraiment désolé, c'est nerveux. En plus, je suis un peu claqué, mais. Et bim. Est-ce que le vétéran a repop? Bim. On va laisser leur faire. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est toi. Allez hop. Ah là, on va aller leur taper, hein, juste pour le fun. Pardon, le mouflon. La ruée, elle est très pratique pour vous rapprocher des ennemis lorsqu'ils font ce genre d'attaque que vient de faire le vétéran, c'est-à-dire des esquives, etc. Parce que le sans-lame, vous devez le faire, donc bien sûr au cac, vu que vous êtes cac, mais vous ne pouvez pas bouger. Si vous bougez pendant le proc du sans-lame, il est cassé. Ça break le sans-lame. Et donc c'est très pratique, voilà, vous vous approchez et vous êtes automatiquement au cac et vous avez plus qu'à balancer votre sans-lame. Vraiment une bonne synergie dans l'espadon qui fait vraiment plaisir. Vous balancez votre épée qui, avant d'arriver au cac, vous allez au cac avec la ruée et après vous balancez votre sans-lame. Et là, un simple mob qui réussit à résister dans Guild Wars 2, faudrait qu'on me le trouve, hein, tout simplement. Je parle pas des vétérans, je parle des simples mobs. Hein. Bon allez, on va aller se faire ce pack-là et après j'arrête la vidéo. Allez, oups, je me suis trompé de cible. Va en arrière! Allez hop, les deux là. 12K, voilà, et j'étais pas au dernier tick, donc je pense que ce serait bien monté à du 15-4 critique. Mais donc voilà, un petit test en zone, et vous avez vu que les dégâts que je fais sont pas mal. Mais regardez mon cachet, que 9 charges, je peux monter jusqu'à 25. C'est-à-dire que là, je suis qu'à plus 90 de puissance, et je peux monter jusqu'à plus 250. Mais donc voilà, une petite présentation succincte de ce build, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à présenter avec ce build, simplement bah, que c'est un ouvre-tête. Voilà, vous arrivez. Vous balancez votre épée à l'espadon, la ruée, le sans-lame au contact. Si vous prenez un petit peu cher, vous faites le tour bilol qui fait également de l'esquive. Et puis voilà. Et le coup blanc pour proc la vulnérabilité, parce que de base, il en proc sur les deux premiers coups. Et je vous rappelle, avec une de vos aptitudes, vous avez 33% de chance d'en faire proc sur un coup critique.
Je vous ai dit, vous avez de la fureur, vous montez à 65% de chance de faire un coup critique. Donc croyez-moi que tout ce que votre build vous apporte avec des coups critiques, vous allez les obtenir très, très rapidement. Mais donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai fait la présentation complète du build de mon guerrier que je joue niveau 80. Donc cette vidéo est bel et bien terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces verts, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo autour de vous, Facebook, Twitter, Google+. À propos de Google+, un petit tour sur ma page. Abonnez-vous à vos... Mettez-moi dans vos cercles, pardon, pour suivre mon actualité et celle de Guild Wars 2 que je ne traite pas dans mes vidéos. Mais donc pour ma part, je vais vous laisser ici en vous souhaitant à tous une très bonne journée, un très très bon jeu, et je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao!